Quand je suis née, elle avait déjà 7 ans. Je l'ai connue beaucoup plus tard, sur un plateau de télévision, à l'occasion d'une émission spéciale. Entre elle et moi, ça a été un vrai coup de foudre. Son père s'appelle Jean-Pierre Ferlin, et elle a pour nom ton visage. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour deux éternités, ton visage. Une bouche à jamais douce comme un secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. On me ferme les yeux.
Bonjour Claude. Claude, Lemay, bonjour. Oui, je dois dire que tout à l'heure, je parlais du succès du spectacle de Céline. Oui. Tu y es pour beaucoup, hein, parce que tu fais un numéro avec elle que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Ah, oui. Ouais. Ah, qui l'a écrit, ce numéro-là? Bon, ce numéro-là a été écrit, le texte a été écrit par Jean-Pierre Plante. Mm-hmm. Et les textes des chansons ont été écrits par Pierre Huet. Puis c'est vraiment un petit bijou. Claude, toi, tu fais là-dedans, t'es comédien, tu chantes, t'es musicien. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que... Comment tu as commencé à découvrir tous ces talents-là chez toi? Bien, c'est un petit peu Jean-Guy Moreau qui m'a fait découvrir ça. En fait, j'étais toujours, moi, dans les... On peut le demander aux musiciens aussi. J'étais toujours le bout en train, moi, dans les loges, tout ça. Puis Jean-Guy Moreau, il a vu ça, lui. Puis il a dit, ben pourquoi tu le fais pas sur la scène? Ouais. Puis alors, j'ai dit, pourquoi pas? Puis depuis ce temps-là, je fais ça. C'est comme mon trademark, je pense. Et ça apporte énormément à un spectacle. Ouais. Et t'aimes ça? J'adore. J'adore ça. Accompagner straight, comme on dit, maintenant, t'aimerais peut-être moins ça. T'es mieux participer à ce moment-là. Ouais. Ah. Ça fait longtemps que tu es avec Céline? Ça fait depuis 4 mois, à la montée de ce spectacle. Seulement pour ce spectacle. As-tu participé? Parce que ce numéro-là, c'est énorme, l'apport que tu fais. Céline fait ses imitations, on a vu tout à l'heure Mireille Mathieu et tout ça. Mais as-tu participé, toi, parce que tu racontes une histoire tout ce temps-là, tu as dû écrire avec Déjà raconté la fois que je me suis mis à imiter Edith Butler? Non, tu nous as pas compté ça. J'ai fait un vrai fou de moi. Ça. Oui? Fais-nous les dons pour voir. Tu peux faire un petit tour en gros? Oui. J'étais là, les quatre fers en l'air, en train de taper à galette, puis de swinguer à ma caisse dans le fond de la boîte à bois, puis partir le party! Ho! Stéphanie, ça ne fait pas le ménage, ça n'a pas de bon lustre, bon sens. Ouais, qu'est-ce que tu veux, fils d'idiot? Tu l'avais dit. Un peu, là. Ah. Et qui est fatigué, t'as l'air. Non, t'as l'air du marié, un gars de cirque, toi. Bon. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Es-tu capable de me dire comment ça commence, la guerre? Comment ça commence, la guerre? Ouais. Mais regarde, mon petit Claude, c'est pas compliqué. Mais on va te donner une supposition. Supposons que le Canada est en conflit avec l'Italie, vois-tu? Pourquoi le Canada sera en conflit avec l'Italie? On n'a jamais rien eu avec l'Italie. Mais voyons non. Donc. Je te dis pas qu'il est en conflit. Mais dis-tu les affaires de même dans la tête à cet enfant-là? Il va arriver à l'école et il va se faire battre par les petits Italiens. J'y mets pas rien dans la tête. J'y dis, c'est une supposition que je dis. Supposons que, mettons, qu'on a quelque chose avec l'Italie. Je veux pas dire qu'on l'a. Hein? C'est une supposition. Mais non, mais fais attention à ce que tu vas dire. Lui, là, il va arriver à l'école demain matin, puis il va penser que la guerre est pognée entre le Canada et les Italiens. Mais j'ai dit l'Italie, les pauvres enfants, j'ai dit l'Italie. J'aurais pu dire la Pologne, j'aurais pu dire l'Australie, j'aurais pu dire la Russie. J'ai dit ça, moi, je dis n'importe quoi. Oui, mais t'as pas dit n'importe quoi, t'as dit l'Italie. Puis? Fais bien attention à ce que tu vas dire, parce que ces enfants-là, hein, ils
Il catch pas mal vite, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? C'est celui qui il retient sa main, cet enfant-là, d'abord, les fous! Julien, contre les Italiens! J'ai dit ça comme ça, moi! Ouais, c'est ça que tu dis que t'as rien contre les Italiens, mais... Je sais bien que t'as une dent contre eux autres, moi! Oh, toi, j'ai pas une dent contre les Italiens! Pourquoi j'ai une dent contre les Italiens? Moi, qu'est-ce que tu m'as fait des Italiens? Pour rien, des Italiens, ouais! Hein? T'as mis moins court, toi? Comment? Tu te rappelles pas de la crise que tu m'as faite quand j'ai loué mon logement aux Italiens en haut? Que... Tu te rappelles pas de ça? Mais je m'en fous, moi, que t'as loué le deuxième aux Italiens. Moi, d'abord, qu'ils payent le loyer, moi, ça me rendra pas mal. C'est ça que tu dis, mais t'étais pas de bonne humeur. T'étais pas de bonne humeur, mais t'as dit pourquoi t'étais pas de bonne humeur? C'est pas parce que t'as loué aux Italiens. C'est pas ça, pardon. C'est parce que t'arrêtais pas de me dire comment est-ce que Mario est à bon dit, elle m'a dit c'est pas de romain, elle a des biceps de mer, ah ouais, donc, t'as ça. J'ai dit qu'il était bâti. Oui. À chaque fois que tu me parles des yeux d'engraisse de bine, non, je vois là, je vois là. T'inventes des affaires, là. Moi, j'ai... franche. Il n'y a pas de franchement. De toute façon. Bon, ça n'a rien à voir avec la devoir. Tu me dis ça, hein? Veux-tu passer le balai? Moi, m'arrange avec lui, ouais. Bon, si tu veux, y faire vrai, ça devoir. Fais-y faire, mais moi, je m'en occupe plus jamais. Non. Choisis. Non, tu peux continuer à y montrer ses leçons, parce que moi, j'ai tout montré que je savais, puis... Il sait rien. C'est ça. Tu as tout montré ce que tu savais, puis il sait rien. C'est ça. Mais on va te donner un autre exemple, maintenant. On va parler de la guerre 14-18. Mais pourquoi? La première guerre! La grande guerre! La première guerre, la grande guerre. Pourquoi la guerre 14-18? Pourquoi pas la 39-45? Parce que la vraie guerre, c'était la guerre 14-18. C'était là que les soldats, nos valeureux soldats, se sont fait avoir. Soldats, c'est là qu'ils se traînaient dans la boîte, nos soldats, comprends-tu? Puis tout ce qu'il y avait pour se défendre, c'était des baïonnettes. C'était une guerre qui se faisait à pied, ça. La guerre 14-18, c'était pas les corps à corps. C'était la vraie guerre. Tu m'entends faire un corps à corps, moi? Comment? La guerre en 39-45, où ils se battaient pas, les gars, ils marchaient pas dans la boîte, puis ils se battaient pas, il n'y avait pas de fusil, puis... La guerre en 39-45, c'était la petite bière, ça, voyons là! La petite bière! Je t'expliquais qu'en 14-18, il y avait rien que des baïonnettes pour se défendre. En 39-45, il y avait des blindés, il y avait des armes automatiques, il y avait des gadgets de toutes sortes, il y avait des avions, il y avait des sous-marins, il y avait des fusils, c'était pas de la guerre, ça! Cette guerre-là, c'était comme s'installer pour ouvrir la télévision. À la chose. Hein? Moi, mon père est mort à deuxième. Et tu vas me faire croire que moi, pis ce guerre-là, c'était comme ouvrir la télévision. Moi, t'en faire une télévision. Mais oui, attends, toi, c'est pas parce que ton père est mort à la deuxième guerre qu'il s'est rien passé avant. La première, ça, c'était la vraie guerre, comprends-tu? Pour chaque mort qu'il y a eu à la première guerre, ça va être 10 morts à la deuxième guerre, voilà. Eh hey, bon, donc, Adrien, tu comptes les morts comme si c'était des boutons de culotte? Un mort à première ou un mort à deuxième, c'est la même affaire, c'est la même affaire. Ouais, ben si t'écoutais une minute, si tu me laissais expliquer au petit ce que je veux y expliquer, tu comprendras peut-être ce que je veux dire. Si tu dis ça, des affaires plus intelligentes que ça, j'aurais plus de facilité à comprendre ce que t'essayes d'y faire comprendre à cet enfant-là. Ou non, toi, là, il t'a pas fait comprendre que je suis pas assez avancé pour faire un devoir de première année, mon Dieu! Je le sais, là, comment ça commence, une guerre, là! Sur un coussin mouillé? Les gars ont voulu me jouer. Toi, t'as vu le coussin rouge, il était plein d'eau. Oh, il t'aurait joué un tour à toi aussi. C'est que moi, là, oui. Ça sera pas long comme étant des grands martyrs canadiens. Hein. Absolument. Ah, j'en doute pas. Ah, ouais. Mon père, comme le père Brébeuf qui chantait « Viens, remets mon cœur à l'endroit ». Te rappelles-tu de lui? Je me rappelle pas de lui, là. Pas de mon âge. Il y a la femme. Oui. Qui avait eu un petit fille, puis elle voulait l'appeler. Comment est-ce que vous voulez l'appeler? La baptiser, comme là. Avec elle, ils ont dit, on va l'appeler. Oui, tu vas l'appeler? Poil de souris. Comment, poil de souris? Ça, c'est pas un nom, ça. Pourquoi pas? C'est ma voisine, elle en a une. Elle s'appelle Barbara. Ça
me fait penser, tu as de la flexibilité, parce que ça me fait penser à Barbara Streisand. Penses-tu que c'était gratuit? Oh, que c'est fin! Et c'est une chanson qu'elle faisait, qu'elle fait encore merveilleusement bien, mais notre amie Céline Dion l'a fait d'une façon absolument extraordinaire. Ça s'appelle « The Way We Were ». Voilà. De la salle tantôt, d'écrire des questions qu'on voulait qu'on te pose. Oui. Et puis, bien, non, Suzanne va commencer. Quel artiste a le plus influencé ta carrière? Qui est ton idole? C'est sûr que tous les artistes... Ben moi, en tout cas, j'ai toujours comparé ma carrière à celle des Américains. Il y en a une que j'admire énormément, c'est Barbara Streisand, Whitney Houston. C'est sûr que j'aimerais avoir une carrière comme... C'est l'heure, c'est ça. Quand tu penses que tu n'as rien que 19 ans, tu es peut-être... Je pense que c'est comme tant de monde. On nous demande ici, as-tu le temps d'avoir une vie privée? Ma vie privée et ma vie d'artiste, je pense que c'est la même. Moi, je suis la même fille. Pas vraiment. Non? C'est sûr que je ne vis pas exactement la même vie qu'une jeune fille de 19 ans normale. Je vis des merveilleuses choses, mais je me considère... Je me considère très chanceuse. Mais chez vous, là, par exemple, quand vous êtes en famille, tout ça, c'est à la ça maison... Non, non, pas d'affaires, en famille! Faites bien jour, justement, il y a quelqu'un qui demande si tu aimerais avoir des enfants si tu te maries. Oh... Et si tu te maries pas? J'aimerais ça, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut faire un choix. Moi, je veux être chanteuse, je veux faire ça toute ma vie. C'est sûr que si j'ai la chance de me permettre les deux, ben, c'est sûr que j'aimerais pouvoir me marier un jour et avoir des enfants. Merveilleux! Ouais. Et tu réponds très bien en plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins de ton métier? De mon métier? Comment tu parles? J'aime
J'aime tout ce qui a rapport au métier, télévision, radio, entrevue, disque, scène. Ce que j'aime le plus, c'est de faire de la scène, c'est sûr. Ce que j'aime le moins... Pas faire la télévision, okay. J'espère. Répétez à 5h le matin, je vois. Quand je me retire pendant un an et demi temps pour faire un changement, c'est sûr que ça fait du bien parce que c'est important de le faire, mais c'est dur un tout petit peu. Ça, c'est ce que j'aime le moins. Autrement dit, c'est d'être loin du public. Exactement. C'est ça. Mais là, il va falloir s'éloigner pour 2 minutes. Oh. Le temps de laisser les gens regarder un petit message, puis on vous revient justement. Dans 2 minutes. T'as quelque chose qui dépasse. J'ai tout à fait qui dépasse. Ben oui, non, c'est un grand fil. C'est ce que je tire. Non, fais pas ça. Ça tire. C'est bien solide. Mais c'est grand. Ça se peut-tu? Les femmes ont des ciseaux dans la salle. Ça se peut pas. Coupe-moi pas les doigts. Merci, bon, voilà, madame. Alors, facile. Moi, vous parlez de ma belle-mère. Elle a assez engraissé, c'est bien simple. Si les blouses passent pas dans la porte. Mais c'est aussi le titre d'une chanson qui a été écrite, entre autres, par Breen LeBoeuf, qu'on va entendre avec Breen. Et, oui, mes blues passent pas dans le temps. Et Céline, évidemment. Seul chez nous, avec moi-même, passé d'un coin par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal. We'll be right back.
Lyon, c'est ma sœur. Qui chante, qui joue les claviers à mon spectacle. Et vous aussi, vous faites un excellent spectacle et c'est important, hein, Céline, je pense. C'était mes goûts! Merci. Merci. Merci.